J'ai jamais encaissé 20 sous. Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia Hallyday, sort du silence cache interrogée par Midi Libre. La grand-mère de Laetitia Hallyday, Eliette Boudou, révèle que sa petite fille lui avait demandé d'être l'exécutrice testamentaire de Johnny. Celle qui est surnommée Mamie Rock en profite pour tacler les aînés du taulier, David et Laura. Dans une interview accordée au quotidien régional Midi Libre, Eliette Boudou, la grand-mère de Laetitia Hallyday, évoque pour la première fois son implication dans les affaires du rocker, décédé le 5 décembre dernier. Depuis 2012, celle que ses proches surnomment Mamie Rock est en effet la représentante légale de toutes les sociétés françaises du clan Hallyday. J'ai été là, parce qu'on me l'a demandé, explique l'octogénaire depuis Marseillan, dans l'Hérault, son village où elle est de retour après avoir séjourné plusieurs années aux États-Unis en compagnie de Johnny et Laetitia. Si elle a accepté de présider les sociétés du chanteur, c'est pour rendre service, assure-t-elle, avant de préciser, c'est l'avocat qui gère. Johnny m'avait demandé, je lui ai dit oui, à condition de pas payer d'impôts. Point. Guillemets David et Laura, ils ont eu beaucoup de choses. Qu'ils disent pas, qu'ils ont rien. Eliette Boudou interrogée sur ses relations avec David Hallyday et Laura Smet, elle se montre catégorique. Je leur parle pas, lâche Eliette Boudou. S'attendait-elle à ce qu'ils contestent le testament du rocker devant la justice? Ah non, ils ont eu beaucoup de choses, eux, rigole-t-elle. Qu'ils disent pas, qu'ils ont rien eu. Point. Mais voir aussi dans ses dernières vidéos, Johnny Hallyday apportait son soutien à la lutte contre le cancer. Mamie Rock confirme qu'elle savait que Grégory, le frère de Laetitia, allait être nommé exécuteur testamentaire de la star. Et pour cause, je le savais parce que, figurez-vous que ma petite fille, elle m'avait mis moi. Sur le papier, je lui ai dit tu sais Laetitia, c'est pas que je veuille pas, mais moi je suis pas jeune, je vais avoir 83 ans au mois de juillet. Moi il risque de m'arriver quelque chose, alors il vaut mieux que tu mettes quelqu'un de plus jeune. C'est là qu'elle a pris son frère. Point. Guillemets Jérôme Vermeulin mit à jour, créé, tout savoir sur succession de Johnny Hallyday, le grand déballage.